Et on est reparti pour plus de Dead Space en impossible. Je sais plus trop ce qu'on avait sur nous. Ah oui, on avait le module pour Cutter Plasma. Pour le Cutter Plasma. Ouais, nos munitions ça va, la vie ça va, on est bon. Et là on doit retourner au hangar pour faire quoi, je ne sais plus. Ah oui, il faut qu'on aille à l'arrière de l'Ishimura. C'est vrai. Mais je crois qu'on avait décidé ça. On avait décidé d'aller à la salle numéro 1. Alors, je vais voir. Par où on passe? Est-ce qu'on passe par l'extérieur ou par la cage d'ascenseur là qui est détruite? C'est ça que je sais pas en fait. Comment on monte? Je me rappelle plus. J'avais fait la même connerie en fait la toute première fois que je l'ai faite. Et à chaque fois j'ai tendance à me perdre en fait pour remonter. Surtout que j'ai fait une pause du coup et... Alors... Là c'est le... coin où on monte. Nous on va passer par... Putain je sais pas. Bah ça en fait, la cage d'ascenseur ici, non? Je crois. Oh là là, à chaque fois je me perds. J'espère que je vais pas me perdre pour rien. Désolé hein, si c'est un peu le... Ouais, allez, on y va. Non, on va pas prendre ça, on va prendre ça. Non, on va prendre ça. Ah oui, il nous faut aussi de la stase, exact, exact, exact. Donc, il nous faut aussi de la stase, donc non. Non plus, elle est où ma griffe? Elle est là. J'ai vu des choses pas mal hein, par rapport à le jeu, encore une fois. Genre des différences, ça je l'avais déjà dit, qu'il y avait des différences quand sa vie... Quand sa vie était basse, par exemple. Ça va nous faire chier pour les munitions. Quand sa vie était basse, à Isaac, par exemple, il a une différente intonation. Apparemment, il y a... apparemment, il y aurait aussi une différence quand il est en... Ok. Quand il court... Bien joué. Quand il court et quand il marche, quand il va voir des... Quand on va dans des zones de cinématique aussi, pareil. Il y aurait une différence avec ça. Il y a plein de petites choses comme ça en fait. Donc c'est très très intéressant. Alors... Yes! Ouais, c'est ça. En fait. Ok, parfait. Ou pas. Elle est où la porte? Elle est... j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. Donc c'est ici. C'est par là qu'il faut passer. Et on a un point. Là aussi. Très bien. 4. Ok, on va essayer de garder 4. De ne pas le recharger de suite. Par contre, je voudrais bien pour la stase. Ça m'emmerde un peu. Ouais, non. Sans déconner, quoi.
pas fini. On a une balle, faut que je la recharge. Il faut la deuxième griffe. Ah non, on l'a utilisée, la deuxième griffe. Ok, nickel. Je sais pas ce qu'on a récupéré. Nickel. C'est bon, on part. Pas besoin de nous faire genre comprendre qu'on n'est pas les bienvenus, hein. On part. On est en train de partir. Donc c'est bon, on a compris. Hein. La vache. Oh, c'est bon, je peux souffler. Putain. À jouer comme ça, si on joue pas en speedrun, c'est un peu stressant. Hein. Mais bon, ça nous permet d'avoir pas mal d'objets en plus. Hop. On a 4 points, 18 000 pour le moment. On va pas en acheter plus. Bon, on peut sauvegarder en tant qu'on y est. Voilà, très bien. Bon, mission accomplie, ça s'est bien passé. On reviendra plus tard quand on aura des accès plus élevés. Ok, parfait. On va mettre ça là. De toute façon, là, on a fini, hein. Oui, on a fini. Magasin. Établi, non. Pas ici, mais c'est loin. Allez, on avance. Alors, hop, l'hangar. Ah, c'est pas exactement à l'arrière encore. Moi, ouais, je me disais, la zone de minage, en fait, c'est pas maintenant. Non, là, c'est hangar, chargement et tout ça. Ah mince, ma griffe. J'aurais dû la garder en main en fait. Ah. Non, c'est pas ça que il me faut, c'est un établi. C'est un établi. On a de la stase sur nous, au pire. Ouais, on a de la stase. Je voudrais ne pas l'utiliser, évidemment, mais bon. C'est pas vraiment moi qui choisis pour ça. Bah, si, techniquement, oui, mais bon, si on se fait attaquer, on en a besoin. Je me rappelle plus ce qu'on fait exactement ici. Pourquoi on va là ? Se rendre au hangar. Oui, mais pourquoi? La séance 321, mais Amand nous dit qu'il y a une autre route pour l'ingénieur en passant par le pont de lancement. Probablement depuis le hangar. Ah, ok. J'ai zéro mémoire, c'est ouf quand même. Security recording retrieved. Ouais. Oh putain, il m'a fait. Merci. Merci de me remontrer ça, c'était vraiment plaisant. Ah, on devrait être. Hi, this damage report says there's a broken cargo lift just beyond the hangar doors. I'll open them now. Oh. C'est vrai que ouais. Ah, bah.
You'll need your thrusters to reach it, but that lift shaft should take you straight down to engineering. Ça marche. Et après, il faut débloquer de là-bas. Oui, voilà, je me rappelle. Et après, il faut débloquer de là-bas l'accès au tram, en fait. Ah, ça me revient petit à petit. Alors, faut faire attention parce qu'il y a des bestioles qui vont arriver un tout petit peu plus tard. Alors, on a des petits trucs à faire qu'on peut faire ce genre maintenant. De toute façon, ici, on devrait devoir y revenir, hein, mais c'est... Donc, c'est pas maintenant. Mais on peut le faire quand même, parce qu'il y a quand même des choses à récupérer. Ici. Très bien. Genre, je crois que c'est possiblement là qu'elles viennent, les créatures. Non, toujours pas. Ok. Très bien. Il y a une porte de hangar à ouvrir là. Je crois que c'est celle de droite. Et on a des objets, quelques objets à récupérer. Ça aidera toujours. J'avoue que là, j'ai dépassé mon état en nouvelle partie plus. J'avoue que je voulais plus jouer en impossible qu'en nouvelle partie plus. Donc là, j'essaye de me rappeler par rapport à ce que j'ai fait la toute première fois. Voilà, port de chargement. Ouais, c'est là. Nickel! Très très bon inventaire. Niveau 3. Très très bon inventaire pour le moment. Je crois qu'on n'a pas besoin de ça en fait maintenant. Je vais voir si je fais ça. Est-ce que ça ouvre celui-là? Non, celui-là c'est, ça sera pour la fin du jeu. Bon, je peux... Voilà, mettre ça. Ça va rien changer. On avance. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est aller voir l'intérieur du Kélion. Enfin, on peut voir une partie de l'intérieur du Kélion. Je sais plus si vraiment il y a des trucs à... Ah oui, 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 il y a ça, là. Attendez. Il y a des petits passages. Très bien. J'aime bien quand les jeux nous récompensent pour notre exploration. Okay. Et ce qu'on peut voir, c'est le corps de... Le corps de Johnson. Ah, il est. Elle est là. Elle a mal fini, hein. C'est un petit détail, mais voilà, son corps est là. Son corps est bien là.
Ah, ok. Je pense qu'on peut partir. Ouais, je pense qu'on peut partir. Bah, ça va, ça nous fait un petit moment... genre... loot. Par contre, je me rappelle plus où il faut aller. Faut aller à l'extérieur ou pas? Ça va me revenir une fois qu'on est, qu'on sera en train de faire le bordel. Mais... il y a encore des caisses. Tellement de trucs. Ah, très bien. Ok, cette fois on y va. Ouais, c'est par là-bas. Là, il y a des créatures par contre. Oh, il y a aussi des rigs à récupérer, je crois, ici, non? Ça. On va prendre l'oxygène. Ouais. Bouge. 50 secondes, ça va. On en a encore un là. Il faudra un explosif en fait. Je pense pas qu'on ait un explosif en fait qui traîne. On va en prendre un de là-bas. On va la jouer safe tout ça. On prend notre temps. Honnêtement, c'est pas un speedrun. Comme j'ai dit, donc safe doucement. Si on peut économiser quelques munitions, on le fait. Faut voir s'il nous a pas suivi. Mais je pense pas. On va monter. Oui, par contre, on met un peu plus de temps, du coup. Le problème, c'est qu'il peut être partout, même sur les murs et tout. Ah tiens, il y avait une... il y avait un explosif ici. On a 50 secondes encore. Là. Attends, je veux pas le faire péter sur un obstacle. Voilà. Très bien. Et on y va. Oh merde. Nickel. Oh la vache, le bordel, cette partie.
Ok. Ouh. Ah, je suis pas fan de cette partie. En plus, on reste quand même longtemps. Exiting zero gravity. Ok. Exiting. On reste quand même longtemps en plus dans... sans oxygène. On est bon. Merde. Ça a mal... Le fait de... Y a pas une option, tiens, je suis en train de me demander. Y a pas une option pour ne pas recharger automatiquement. Parce que... Vous voyez, là, ça m'a foutu dans la merde. Dans certains jeux le mettent. Il m'a des touches, style des touches. Personnaliser les commandes, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ouais, genre ne pas recharger automatiquement. Le faire seulement si je dis de recharger, en fait, tout simplement. Aide à la visée, changement d'arme automatique. Non, non, il n'y a pas. Orientation à vue, orientation à vue. Entrée, excellent, initialise des logiciels. Ouais, non, il n'y a pas. Je peux. C'est quoi le montrer le dédacticiel? Chez les visuels dictés, parce qu'ils sont disponibles. Ouais, non. Genre, ça montre. Enfin, c'est bon, on verra ça. Mais ouais, le rechargement automatique, ça peut être un problème. Ça peut être un problème. On doit aller là, mais on va d'abord visiter ça. Je crois qu'il y a une créature, je suis pas sûr. We are not punished for our sin, but by them. Très bien. Warning. Orbital position compromised. Correct course immediately. Ah oui, 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 c'est ça. C'est pour ça que... On a un problème avec les Chimera. Oh, cette partie est bien longue. Cette partie est bien, bien longue aussi. Et un peu dangereuse. In the control room. Any news on the engines? Yeah, but it makes no sense. They're out of fuel. The centrifuge is offline. We're tethered to a 4 trillion ton payload. Without the engines, it's dragging us down to the planet. Can you handle it alone? Sure. Fix the centrifuge, get the fuel running, then do a full restart. But you'll need to stabilize our orbit from there. Standing by. Fast as you can, Isaac. Je peux tout faire, Isaac. Je peux tout faire. Ingénieur en tout. Mais pas en relation, par contre. Non, ça est pas très bon. Alors ça, ça. Nickel. Alors, on a... Là. Engineering log, acting chief engineer Jacob Temple reporting. Christ, still can't believe the chief is gone. It's all fallen apart since the captain died. Everyone down here is on their last nerve. We thought the rioting was the worst of it. Till those things came through the vents.
faces. Fuck, those were my lunch buddies, Liz's friends, old boyfriend. And out of nowhere, the engines are screwed. Primary's laboring, we're hemorrhaging fuel. Fuck if I know why. I'm taking Danvers to the QB boat to fix it. Gotta keep the team focused or we'll crash. Simple out. Station now accessible. Thank you for your patience. Très bien. On est parti. On est parti. On reprend la griffe ou pas? Oui, on reprend la griffe. Voilà, cette partie va être un peu longue et elle est un peu difficile. C'est une des premières parties difficiles, je pense. Enfin, non, la deuxième, parce que le pôle médical, honnêtement, c'est... Elle est aussi difficile. Enfin, au final, il y a beaucoup d'endroits difficiles dans le jeu. Hein. Faut pas y croire, mais c'est pas vraiment simple, le jeu. Ok, donc toi, t'es mort. Mon arme favorite... Découpeur. J'ai mis du temps à la presser, honnêtement. Mais oups, la caméra, j'ai un peu tourné trop vite. Mais qu'est-ce qu'elle est bien. Enfin, il, elle. Qu'est-ce qu'il est bien, ce découpeur. Très bien. Non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. On peut. Non, on peut pas. Griffe. Alors nous on doit aller là, mais on a d'autres endroits à visiter d'abord. Ah bah tiens, les points. Les points. Ah. J'arrive pas. Bon, c'est pas grave, on a qu'une griffe. Nickel. Donc ça sera pour plus tard. Ok. Alors. Très bien. Le capteur plasma. Ah non, c'est d'abord le SP2 qui nous donne. Ah, c'est emmerdant. C'est emmerdant. Parce que moi je vais aller en haut. Je veux pas gaspiller des points. Pour le cutter. Par contre le découpeur, c'est les dégâts. Dès le début, on peut faire capacité. Honnêtement, le découpeur, on peut tout prendre. La durée, c'est vachement intéressant parce que ça augmente le temps que la scie tourne. Donc c'est vachement bien. L'arme d'assaut, on peut augmenter les dégâts. Comme ça, l'explosif. Pas plus mal. Les PV, la durée de stase, on peut l'augmenter. La durée de stase, on peut l'augmenter. Ça nous aidera. On peut garder 2 points encore pour les capacités. Notre vie, ça va. Pas vraiment besoin de se soigner, donc c'est bon. On va essayer de vider les chargeurs de chaque arme. Autopsy report, Dr. Nicole Brennan. Rig identified the subject with junior engineer David Swenson. The subject was dismembered after falling into machinery, allowing... Je crois qu'il faut qu'on regarde ça de toute façon. Postmortem spasms.
chest contains a yellow vial seen in other specimens. Seen this vial react to dead or bioprosthetic cells. The dead tissue is absorbed, recombined, then reanimated. The bile shares genetic markers with human DNA and growth on the walls. It's all connected to the marker from each of 7. Je crois qu'il faut attendre de toute façon, non? Don't suppose the church in the sun blood. Dr. Kine has vanished. What are you willing to give up? Your life. Rest for. Easy now, oh, David. Give up your life for. I promise. End log. Voilà. Après, peut-être que si on quitte, ça se met automatiquement, mais. Je préfère regarder. Allez, on va d'abord aux toilettes, puis après on part. Griffouille, merci. Security request retrieved. We need help out of engineering. Never get those wires off. I look to cut out. I don't want to. I don't want to. Wait, Henderson, your teeth. He's pulling his teeth out. Just hold it. Where the fuck is security? Oh, God. He's dead. No, he's alive. But he hit that thing pretty hard. Je vais tirer dessus, mais il est parti, ce con. Oh putain, arrête de me suivre, toi. Ouais, ce passage est quand même bien, bien lourd. Bien difficile. Quand j'y repense, ouais, ouais, c'est bien difficile. Après, il y a des pics que vous pouvez trouver un peu à droite à gauche, donc ça, ça aide. Mais j'avoue que c'est compliqué ici. Surtout que c'est très très exigu. Ok, très bien. Genre même les explosifs, c'est un peu des pièges parce que c'est vous êtes tellement proche des xénomorphes à chaque fois. Porte, comme ça, ça nous fait un raccourci. On a pas de créature encore, parce qu'à un moment il va avoir. Si je me rappelle bien, il va avoir un truc qui vole là. Alors là on a amélioration du cutter plasma. Ah, c'est peut-être celle-là. Et après le fusil d'assaut et le découpeur. Très bien. On va prendre ça. De toute façon, ça nous fait des points en plus. Donc ça nous fait des points de force. Je veux bien récupérer un peu d'argent. Fendre. Ça. Ok, nickel. Parfait. Alors du coup, on peut revenir en arrière. Oui, par là. Oui, oui, on est bon, on est bon. Tendance un peu à me perdre dans un verre d'eau.
C'est ça l'expression. Ok, faut faire attention. Vu qu'on retourne dans des salles qu'on a faites, on sait jamais ce qui peut arriver. Ok. 5 points. Capacité. On va mettre la cadence de tir, ça va nous aider. C'est le rechargement bof. Et après, on va prendre ça, appliquer les dégâts de la, sur la durée à chaque tir. Ça va vraiment nous aider. Le fusil d'assaut, il a maintenant il a ça. Donc, c'est consciemment la cadence de tir. La cadence de tir, c'est utile quand même, honnêtement, à certains moments. Le découpeur. Lame ricoche une fois de plus. Honnêtement, ça reste. Il y a quand même une utilité de prendre ça, donc c'est pas vraiment un problème. Surtout qu'il y a de la durée, là il y a deux fois la durée. Donc c'est très très important. Donc là on est bon. Comme j'ai dit, on va vider les chargeurs et après on prend. Si on peut, le plus possible. Sinon, bah, si des fois ça. C'est trop la merde, on recharge, c'est pas grave, hein. Mais bon, on va essayer. Ça nous fera économiser des balles. Très bien. Je sais pas si... Attends, c'est quoi ça? C'est le... Je sais pas s'il y a des trucs de l'autre côté. Genre des trucs à récupérer vite fait. Je suis pas sûr. Mais si, il y a toujours des choses à récupérer. Voilà. Refueling sequence activated. Additional fuel required for engine restart. Merde, t'es pas mort. T'es pas mort en une fois, intéressant. Tiens, ça a même rebondi en plus. On peut le réutiliser. C'est intéressant. Intéressant. On peut le prendre avec nous, ça. J'ai envie de dire même l'explosif, en fait, on peut le prendre avec nous. Mais bon, l'explosif, c'est un peu... C'est un peu galère à utiliser. Ça va, là, on a deux grenades. Ça va bien se passer. Je vais peut-être devoir utiliser la stase. Je crois que là qu'il y en a plein qui vont arriver, donc c'est peut-être mieux de staser tout le monde et commencer à faire notre destruction doucement. On a O2, on a une sauvegarde. Vous savez quoi, on va la jouer sécurité. Attendez. On a 6. Ah, allez, on peut. On va voir. Je voudrais revenir sur mes pas et... Ah oui, ça, il faut tirer là, je crois. Quelque
pas. Je voudrais revenir sur mes pas en fait. Ah non, non, on n'a pas besoin. Et me soigner. Last valve done, chief. Progress report filed by Jacob Temple. The engine problems aren't a malfunction. Someone shut off the fuel lines of the primary engine and damaged the valves to hell and back. We just wasted an hour fixing them. Now we need to restart the south refueling station, but some jackass turned off the power and locked up the circuit breaker. No engine. We're gonna hit planetfall soon. What now? There's gotta be someone around here who had a spare access card. Go see. Wait, you hear that? Devers, go! Bon. Très bien. D'accord. Je vais me prendre la merde. Maintenant, on va devoir refaire fonctionner. Le courant. Je vais en profiter pour la pause. Je vais en profiter pour faire une petite pause et je vais me reprendre à boire. Et je reviens. Ne bougez pas. Ok, on est bon. On est reparti. Reprendre. Alors. Go. Reprendre. Ah putain. Daniels? You made it. Thank God. After the bridge, we thought that... Glad to disappoint. I barricaded myself in the computer core. I can hear them, but I don't think they know I'm here. Isaac, I've tracked down your rig. You're in engineering, right? I'll get myself admin privileges. Maybe I can help. Merci. Merci pour le jumpscare. Ça m'a fait plaisir. Clearance confirmed. Ah oui, donc là, on travaille sans oxygène avec les lumières, ou on travaille avec l'oxygène mais sans lumière. C'est honnêtement un peu une catastrophe sans les lumières, pour être honnête. Mais ouais, sans le système de survie, c'est chaud. Surtout qu'on n'entend rien en plus. Je sais pas. J'ai, la dernière fois, j'avais fait sans les lumières, moi. Après, on n'entend pas grand chose, c'est un peu un problème aussi. Refueling sequence activated. Sufficient fuel to fire primary engine. Okay, I've got a fuel reading. Only a quarter full, but it should be enough. I still need to get the centrifuge working before restarting. Someone really screwed with these fuel lines. Move fast, Isaac. Aegis 7's looking damn close out there. On est bon. C'est un peu la merde en fait de se stresser. Oh, vous avez vu, c'est rouge le petit tuyau dans le gros tuyau en fait de sa colonne. C'est un peu la merde de jouer dans le vacuum en fait. On va faire un soin. C'est quand même mieux de travailler dans le noir, même au moins on les entend. On n'est pas pressé par le temps.
Ok, normalement on a tout fait ici. Ouais, let's go. Très bien. Ça fait un putain de boucan, un putain de bordel. Le découpeur pour le moment fait pas beaucoup de dégâts, c'est pour ça qu'il faut augmenter les dégâts au maximum du découpeur très vite. Comme ça, ça va nous économiser énormément de munitions. Qu'on est bon. Attends, je me suis perdu. Ah! Extincteur. Oh! Vite, vite, vite. Ça fait péter les deux mines, oui, ça fait péter les deux mines. Ouh! Eh ben... C'est pas de tout repos, hein. Ça... On déplace, on déplace... On a 6 points. On va aller les utiliser. Donc... On va se remettre... Oh putain, à chaque fois je me rappelle jamais. C'est par là du coup, ça? Ouais. Oui. Dis-moi qu'il n'y a rien. Et on est tranquille. Bon, personne. Et voilà. Donc c'est dangereux de jouer comme ça, mais ça nous fait une très très bonne récompense en fait. Alors découpeur, capacité, dégâts, arme d'assaut. Alors, la vitesse de tir c'est bien sans être extra. Mais ce qu'on peut faire, c'est directement capacité, dégâts. Nickel. Et après, dans découpeur, on a fait cutter. Ouais, go capacité. Voilà. Putain, on avait le bon nombre de points. Et voilà. 11, 70 et 9. Nickel. Et full vie aussi. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est dangereux de jouer comme ça, mais si vous y arrivez au début, ça aide énormément. Ça fait économiser énormément de munitions et surtout d'argent en fait. Et après, c'est pas que de l'économie, ça augmente aussi du coup vos armes et tout. Donc ouais. On va peut-être s'arrêter là. On en est à combien? On est à... Ouais, genre un tout petit peu moins d'une heure. Je trouve que ça fait bien comme épisode. Surtout que ça me permet un peu de montrer ce que j'ai appris en jouant, si ça peut aider. Donc actuel à centrifugeuse maintenant. Ouais, on va s'arrêter là. On va sauvegarder.
Surtout qu'on a fait un bon épisode là. Donc ouais, donc maintenant on a notre découpeur fait plus mal, fait plus de dégâts. Arme d'assaut aussi. Et plus de munitions, le cutter plasma aussi. Cutter plasma, encore une fois, je pense que je vais l'augmenter jusqu'au au feu. Le fait qu'il fasse du feu. Et après, j'arrêterai. Parce que après, ça devient un peu faible. C'est pas assez intéressant. Par contre, le découpeur, en fait, bloque. C'est ça la chose qui est vachement bien, en fait, grâce au découpeur. C'est que ça repousse les gens. Vous avez vu que pendant que je découpais, en fait, ça repoussait les nécromorphes, donc ils peuvent pas vous taper. Même s'il y en a plusieurs, vous passez de l'un à l'autre. Et plus ça fait de dégâts, et plus ils sont stun, j'ai envie de dire, ils sont repoussés. Donc plus vous l'augmentez, plus c'est efficace, en fait, dans tous les sens du terme. Genre, plus de dégâts, ça vous protège encore plus, parce que ça... ça repousse encore mieux, et ça dure très longtemps, une fois que vous augmentez la durée. Donc ouais, meilleure arme du jeu pour moi. Point de vue efficacité, et en plus munitions. Comme j'ai dit, avec une lame, vous pouvez tuer plusieurs ennemis, et quand vous récupérez une munition de découpeur, c'est 3 lames. Donc c'est tout bénef. À la prochaine. Ciao ciao.